à se débloquer tout seul et on avait moins à se creuser la tête. Nous sommes jour 9, il reste 2 jours, enfin un jour, ce jour-là plus un autre. Avant l'arrivée de l'automne. Donc en automne, hein, typiquement, bah, il y a moins de paille. D'ailleurs, la paille pousse moins vite. Hein, la croissance 64%. Je crois que je vois où le mot là. Ouais, saison des croissances, c'est printemps-été. Donc, tout ce que. Bah, enfin, voilà, je vais faire en gros. Je sais pas la peine quand j'en replante derrière. Parce que je pourrais pas m'en servir. Hop. Il faudrait qu'il y ait une commande où en fait quand on coupe on plante immédiatement derrière quoi que ça soit automatisé parce que c'est vrai que c'est en fait, généralement on n'y repense pas on se dit bah je voudrais faire pousser mais on pense pas à dire derrière que on veut du que ça veut en replanter quoi. Ah, voilà, alors là je viens d'avoir 4 points qui sont tombés, sans doute pour les autres. Ah bah ils ont disparu, je ne les ai pas vus. Enfin, je n'ai pas fait. Hop. Pourquoi j'ai pas de porte là? J'ai oublié d'en mettre une. Ah, j'ai mes 2 points, je peux faire la litière, le lit du chat. Alors, le lit du chat, à côté du piège à rat. Ah ou alors oui, peut-être à l'extérieur. Ah, il faut sans doute que je le mette à l'extérieur pour l'attirer. Ah, ça va débloquer la mangeoire. Ouais, il fallait le lit. Et le bol d'eau. Là, alors construction meuble, les animaux de compagnie viendront y boire, tac, et la mangeoire. Donc les animaux de compagnie viendront manger ici, sinon rien de plus amusant à se mettre sous la dent. Ils placent à l'extérieur, les animaux sauvages pourront l'utiliser et se domestiquer avec le temps. Ouais, donc il faut pas que je le mette trop proche, c'est ça. Je vais le mettre plutôt par là. Hop. Hop. Je vais le mettre. Voilà. Comme c'est pas mon endroit de passage principal. Quoique. J'ai une quantité de caillasse. Là aussi, quand je pourrais faire du commerce, on en revient assez vite à se débarrasser pas mal de. Voilà, j'ai mis de la nourriture, j'ai mis des graines.
parce que domestication 20 points par seconde. Minou, 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 minou. Alors, je vais pouvoir placer. Du coup, les chambres pour les invités. Ouais, des graines pour le chat, c'est un peu l'impression que ça donne. Ah non, non, anguilles, anguilles crues et viande crue. Poisson cru, d'accord. Donc du coup, il faut que j'ai... Oui, ça, j'ai tout ce qu'il me faut en anguilles crues. J'en ai même beaucoup trop, en fait. Ouais, pour la volaille, c'est clair. Comment est-ce que je vais m'organiser? Je vais faire mes... Bon, si, en fait, si je veux que mes invités soient satisfaits, il faut que je leur fasse des chambres individuelles, bien entendu. Donc, c'est ce que je vais... Pour qu'ils soient moins dérangés. Qu'ils ont des lits de merde, mais... tac, tac, tac. Donc là, je vais les attribuer par... Hop. Ça, c'est pour le frangin. Ça, c'est pour la frangine. Là, on va mettre... Maman. Papa. Et bébé. Salut Kiruax, bienvenue sur le live. Et on dirait presque du RimWorld, mais c'est pas tout à fait du RimWorld. C'est du RimWorld cool, tranquille. C'est effectivement l'auteur ne se cache pas de s'être tout à fait inspiré de RimWorld pour ce jeu. Mais c'est pas non plus du RimWorld. Il a quand même fait en sorte. Voilà, c'est. Enfin, disons qu'il s'est dit c'est un RimWorld pour les gens qui n'ont pas envie de gérer en permanence des crises, des raids, des. Voilà, c'est, ah merde, j'en ai fait deux des bols d'eau. Bon, tant pis. Voilà, ça s'appelle c'est RimWorld sans sel. Ouais, bah c'est ça, c'est la même idée. Hein, de toute façon, c'est ce côté vu par le dessus. Il y a quand même beaucoup de jeux qui l'utilisent. Et voilà, c'est le gars est parfaitement honnête hein, vis-à-vis de tout ça. C'est voulu ou presque que voilà c'est, il s'est inspiré de RimWorld, il s'est inspiré des autres jeux dans le même genre mais voilà alors, ensuite le il y a une partie du gameplay qui est similaire mais pas que voilà il y a quand même plein d'autres choses qui sont différentes qui sont c'est plus tranquille, très clairement. Voilà, tu passes pas ton temps à... Tu passes pas ton temps à bah, gérer les crises, quoi. C'est quand même parfois RimWorld. Je viens de terminer un let's play sur la chaîne qui quand même la fin, qui n'est pas encore... les prochains épisodes, les trois prochains épisodes, là, ceux qui vont paraître cette semaine, c'est chaud chaud, mais pour les invités, alors parce que si la noix est bonne, RimWorld avait aussi emprunté le moteur de Prison. Oui, oui, non mais de toute façon le papa de tout ça, c'est Prison Architect, puis RimWorld, puis plein d'autres. Alors, Christiane,
Hop, tu auras droit à ton nid. Voilà, il y a plein de jeux qui se sont inspirés de tout cela. Et bah voilà, ensuite, bon. On peut, à la sortie, donc c'est un jeu qui est encore en early access, hein. À la sortie du jeu, il y a plein de gens qui ont dit ouais, c'est une copie, c'est nul, ça rime à rien. Ouais, mais à la limite, qu'est-ce qu'on s'en fout? Voilà, ça reste pas le même jeu. Ça reste. Voilà, il a vraiment sa touche qui est personnelle. Avec un côté beaucoup plus chill, beaucoup plus. Et franchement, moi, je le trouve bien plaisant. Là, j'y rejoue, ça fait des mois que j'y ai pas joué. Il y a vraiment des trucs qui sont sympas, des idées un peu différentes. Et puis, voilà, un côté moins stressant, quoi. Tu vois ça, le développeur l'avait dit. Au début, hein, il avait dit, tu joues à ça quand tu rentres du boulot, que tu es un peu fatigué, que tu as envie d'avoir un truc voilà, un peu plus tranquille. Et voilà, c'est de la détente, quoi. Alors, caneton pour les invités, des capsules, trois murs, une porte, genre des 7-3. Ouais, on pourrait moins, mais tu vois, donc là, mon invitée, elle est tout à fait satisfaite. Elle a juste un peu froid. Tu vois, hier, on va voir, là, tu vois, réputation du clan 13. Je crois qu'hier, j'avais gagné 4 points là et 6 points là. Donc là, en ayant fait rien qu'une chambre individuelle, qui en plus grande, alors, plus les pièces sont grandes, hein, comme dans Rim World, plus les gens sont contents. Donc il faut pas forcément faire des pièces trop étriquées. Voilà, c'est important de l'avoir en tête. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec mon point d'idée? Alors, je pourrais passer à la vitesse supérieure pour faire ça. Je vais faire l'établi de bricolage pour qu'ils améliorent leurs compétences et qu'ils génèrent des points d'idées pendant qu'ils font rien. Ce sera une idée. J'ai de nouveau plus beaucoup de bouffe. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir. Voilà, elle m'a donné à 30, 32 ou un truc comme ça. Et il termine à plus. Non, elle n'est pas sortie encore. Elle s'en va. C'est qui c'est elle là? Ouais. Elle m'a payé 32 et 14 points de réputation de clan. Divertissement, bah, je peux avoir des flûtes. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux faire. Plus tard, il va introduire. Il a prévu d'introduire d'autres instruments. Non, je vais me faire ça là, quand même pour générer davantage de points d'idées. Parce que là, du coup, j'ai creusé et j'ai plus rien à faire. Et c'est vrai que quand on n'a plus rien à faire, bah, du coup, on génère plus de points. Et du coup, c'est moins bien. Donc en fait, il faut toujours leur donner des trucs à faire. Alors, je peux aller recouper. Ouais, du coup, en fait, je vais pas faire bosser quelqu'un tout de suite, en fait. Je vais cueillir des bêtes. Tiens, tac. Je vais aller chasser. Tâche, chasser les animaux. Hop. Tac. Ça me fera des pots, même si j'en ai pas besoin.
Ouais, non, donc toi tu peux te barrer en fait. On veut pas de toi ici, t'es un étranger. Avec la flûte, tu peux chasser les rats. Non, je ne crois pas. Ça pourrait être une idée, mais non. Points de clan, voilà. Tac. 18 sur 100. Tac, tac, tac. Allez, on donne les points là. Pour les points. Sinon, je peux me faire des. Des murs en torchis. Alors, je pourrais aussi me dire. Je continue de me faire des ateliers ou des trucs comme ça. Ah non! Ah non, je peux me faire du toit. Je vais améliorer mes toits. Pareil pour l'hiver. Tac. Hop. Tac. Tac. Hop. Voilà, ça va les faire bosser. Et du coup, derrière, je vais pouvoir creuser ici. Tiens, j'ai d'ailleurs effectivement. Tac. Cela, je vais le mettre en priorité un peu plus élevé pour qu'il me les fasse en priorité. Putain, je récupère encore des graviers. Je peux tailler le bout de montagne au sud. Ouais. Ah oui, ça. Oui, tout à fait. Je vais. Tac. Allez. Là. Je vais faire ça. Je vais creuser ça, je peux les choper. J'ai ça aussi que je peux tailler. Ça me fera du fer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chats qui soient venus par ici. Je vais peut-être récolter encore de l'argile. Alors, trois points d'idée. C'est deux trous, c'est un trou. Alors, zone de bricolage. On va bricoler Paris. Je vais mettre par là, plus loin du passage. Oh, la bouffe, elle est perdue. C'est arnaque. Venez mes bonnes gens, venez mes bonnes gens, installez-vous, faites comme chez nous. Hop.
Ah, c'est ça, c'est les. Alors, sachant qu'il y a sur les quatre clans, il y a, de ce que j'ai vu, il y a toujours cinq clans. Donc il y a le nôtre plus quatre autres. Ils ont tous des origines différentes. Plaine, montagne, forêt et mer. Écoute. Et donc du coup, ils fournissent des produits qui sont différents. Ils sont intéressés par des produits qui sont différents. Humeur. Ouais, l'environnement est un peu crade. Grande pièce. Voilà, ouais, il y a un bonus de grande pièce. Pièce perso, 4 points. C'est pareil. Est-ce qu'ils sont sur. Est-ce que la pièce est encore plus grande? Très grande pièce, ouais. La première chose qui c'est bah et il y a des besoins fondamentaux, faut faire avec. Hein. Ah, hey, le chat, il est là, le chat. Domestication. Il est là. Je suis le chat qui s'en va tout seul. Hé hé, il va bouffer. Excellent. Alors, est-ce qu'ils sont heureux les invités? Oui, il est 34, réputation 28. Ouf, ouf, ouf. J'aimerais bien que ce soit prioritaire. Putain, dégagez-moi tous ces rochers. Ça, c'est quoi, c'est le général? Je vais virer la déchetterie, je vais la faire beaucoup plus petite. Déchetterie. Hop. Là. Et là. Je vais l'agrandir nettement. Et je vais demander de foutre les rochers ici. Non, en fait, je vais les interdire là. Hop. Et il y a me les poser ici, du coup. Alors, ça. Comment ça fonctionne? Construction. Je sais pas du tout. Améliorer. D'accord, donc j'ai cherché du rondin, des rochers, ça me prend un peu de temps. Et ça m'améliore. Ok, ça c'est. Non, pardon, je suis con. Oui, c'est ça, deux rondins, un rocher, du temps. Couture, un sac de ficelle. D'accord, graines d'avoine, cruche, ça me fait booster la cuisine. Tac. Ah, bruyère, chardon. Ah oui, on va pouvoir faire des médicaments aussi plus tard, parce qu'il y aura des maladies. Agriculture, foin, cendre. Chasse. Ouais, je vais faire un peu de tout, et puis... Hop. Demandeur d'emploi. J'ai 2 points de vitesse. Ah. Est-ce que je pourrais aller chercher? Allez. Je vais chercher la tour. Récolter de la tourbe. Ça, la fourneau, ça c'est ça, il faudrait que je le fasse aussi. C'est indispensable pour c'est en gros, c'est le tir suivant de la construction. Étagère à peau 38 sur 50. Putain, la dose. Transport.
Tâche. Hop, on va encore aller chasser. Du lapin. Là où j'ai quoi? Chat. Et un renard. Truc à tourbe là, c'est où? Bêche à tourbe, ah. Tac. Fais mode de pêche à tourbe. Fais mode de collet aussi. Hop. Il permettra d'automatiser un peu. Alors, la cloche a sonné. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi? T'es pas au moins collecte, c'est dommage. Ouais, c'est parce que j'avais plus à faire. T'es bon en couture. T'es pas terrible, hein. Franchement. Alors, c'est pareil, il y a une satisfaction de 1000. Si je... voilà. De 10 000. Et si je le monte à 10 000, je peux l'adopter dans le clan pour peu que j'ai quelqu'un à marier avec. Prolonger le tour vers le bas, non, je crois pas. Hein. Bon. Pas terrible. Elle est pas terrible, franchement. J'ai pas besoin d'aide pour l'habillage. Non, elle est naze en fait. Non, non, je crois que le toit, c'est géré. Toit... Non, c'est bon. Ah, si, là. C'est celle-là, la pièce du sud. T'as raison. Il a l'œil. Il a l'œil, ce garçon. Alors, récolter de la tourbe. Tac. Enfin, récolter de la tourbe. Et j'ai débloqué la brique de tourbide. Où c'est que c'est? Est-ce que c'est... Je n'ai jamais joué à Gnomoria, non, je ne connais pas. C'est un peu le même genre, j'imagine, si tu poses la question. Alors, débloquer briques de tourbe sèche. Je suis enchanté de savoir qu'elles sont débloquées. Mais j'aimerais savoir où elles sont débloquées. Alors, coller déployé. Près du petit trou. Là. Tac. Et un autre. Ici. Ah non, ça c'est tanière de chat sauvage. Ça c'est terrier de lapin. Alors. Il y a plein de terriers de lapin. Un autre collet ici. Tac, un autre collet déployé. Alors, où elles sont tes briques de tourbe là?
D'accord. Un Dwarf Fortress. Oui, c'est. Je sais pas ce qui était avant Dwarf Fortress ou Prison Architect. Je sais plus. J'ai un doute. Qu'est-ce qu'ils en font de cette tourbe? Ils ont dû faire des marais. Bien. C'est pas ici que ça se cuit. C'est pas là que ça se cuit. Ça sèche. Je ne sais pas. Mais un jour, sans qu'on sache pourquoi, l'unique développeur a rushé la 1.0 puis a totalement abandonné le projet, bâclant un peu la fin. Ah, c'est dommage. Def est plus ancien que tout possible. Je suis obligé d'avouer mon ignorance. Enfin bon, j'ai jamais joué au Dwarf Fortress initial. Et je dois bien avouer que j'arrive pas à être enthousiasmé par l'aspect graphique du Dwarf Fortress sorti sur Steam. J'imagine, enfin, je comprends qu'il soit bien meilleur que le précédent, mais je trouve que bien meilleur ne veut pas dire. Ouais, je suis pas hyper regardant sur les graphismes, mais j'ai quand même un peu de mal avec les graphismes de DF, du DF moderne. Je sais pas ce que je peux faire de ma tourbe, ça me saoule. Ah mais si c'est là, d'accord. Excellent combustible une fois séché. D'accord. Brique de tourbe humide. D'accord, donc ça. Tu me l'amènes ici, très bien. Et elle est où ton. J'imagine qu'il faut attendre que ça sèche naturellement du coup. Faire des marais, concrétion sédimentaire à haute teneur en fer se trouvant dans le marais. D'accord, donc ça j'imagine que là aussi il y a une idée. Visuellement, le moteur de Windward de Prison Architect sous ton jeu, c'est pas le mien, hein. Il est plus aguichant, mais le gros défaut c'est qu'il ne gère pas les couches de hauteur et profondeur. Oui. Certes, bah j'en ai testé un autre un peu dans la même veine. J'ai aussi fait une découverte sur sa chaîne, mais j'ai pas accroché au gameplay. Qui s'appelait. J'ai un trou de mémoire, je sais plus. Qui s'appelait. After the Collapse. Qui lui gérait les différentes profondeurs. Et oui, c'est vrai que Dwarf Fortress a ce mérite par rapport à d'autres. J'en conviens tout à fait. Présentoir à fleurs, il faudrait que j'aille chercher plus de. Les champignons, ça viendra, mais c'est plus tard. Ah, le séchoir à champignons, il faut que je le fasse. Je peux le couper comme ça, d'accord. Mais oui, non, mais ensuite, clairement, ils n'ont pas tous les mêmes qualités et ils n'ont pas tous les mêmes défauts. On est parfaitement d'accord. Paillasson, coûte cher, putain. Un point d'idée juste pour un paillasson. Non, je vais attendre d'avoir 3 points pour débloquer le poste commercial.
Ouais, puis il y a certainement dans Dwarf Fortress, il y a certainement d'autres trucs qui le rendent plus intéressant. Et voilà, et des concepts supplémentaires qu'il y a certainement pas dans RimWorld ou autre, mais j'ai regardé Exebus qui nous a fait plein plein de tutos, j'en ai regardé quelques-uns. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec Canton. La verticalité, pourquoi pas? Mais bon, est-ce que ça change fondamentalement? Enfin, oui, si, ça change certainement les choses. Ça, c'est évident. Est-ce qu'il y en a besoin? Bah, certains gameplays vont en avoir besoin et d'autres moins. Et à la limite, voilà, si ce. Moi, je. Tant que chacun s'y retrouve, moi, à la limite, je dis tant mieux. Hein. Le moteur de Gnomoria est différent encore. 3D isométrique. De façon un peu tactile, Advance a des sprites dans le jeu pixel art. Ce serait bien s'il me foutait pas ça. Je leur ai dit que je voulais pas de caillasse là, les rochers, virez-les-moi quoi. Tac, je vais péter et je vais te refaire une zone de dépôt de composants. Je vais faire ça là. Tac. Non, raté. Tac. Hop. Histoire que ce soit pas trop le Bronx de ce côté-là. Vais faucher tout ça. Hop. Histoire de pas le perdre pendant l'hiver. De toute façon, pour que Dwarf Fortress ait déclenché autant de hype, c'est évident que c'est un excellent jeu. Ça, je ne le nie certainement pas. J'ai juste du mal avec l'aspect graphique. Non, non, je crois qu'il y a beaucoup plus de choses que ça. Enfin, encore une fois, j'ai jamais joué à DF, hein, mais je crois qu'il y a beaucoup plus que juste, de la génération de cartes. Il y a plein de choses qui sont incluses dans le gameplay en lien avec la verticalité. Une des anciennes marques de Gnomoria à ce sujet, c'est qu'en chassant certains mobs dans les profondeurs, tu peux des cœurs qui te servent à construire des sortes d'hommes-machines autonomes. Oui, c'est des gnomes, normal. Hop. Je pourrais passer en x4 en fait. Hein. Plutôt que de me tourner les pouces en x2. Bon, j'ai un côté de la tourbe. Ah, il pleut, j'ai pas fait gaffe. Qu'il me fasse des graines. Ah merde. Alors, je peux mettre un toit au-dessus.
Du toit en paille. Hop. Ici. Histoire d'avoir une zone sèche. Du coup, typiquement, tout ce qui est bouffe, en fait, c'est vrai que j'en ai pas forcément besoin ici. Je pourrais stocker la bouffe. Genre par là. De toute façon, j'ai quoi? C'est les graines en fait qui sont là. Je vais mettre les graines ici. Là, je vais réduire un peu. Tac. Ah oui, mais là, je veux pas ça. Je veux pas ça. Et je veux pas ça. Et je veux pas ça. Chardon, ça doit pas aimer ça non plus. La bruyère non plus. Ça craint pas la flotte par contre. Ok. Donc toi, je vais te supprimer. Hop, toi, je vais pouvoir t'agrandir un peu. Là. C'est stockage de rochers, mais ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Ok, et donc une autre zone de stockage de composants. Tac. Et je veux juste. Donc tu me supprimes tout sauf ça. Ce serait tellement simple d'avoir un bouton avec tout ce qui craint la flotte. Mais non. Ok. 224 tâches à faire, ça fait beaucoup. Beaucoup de transport. Non, ça ne concerne pas que la construction dans DF comme dans Minecraft. Plus tu creuses profond, plus tu as de ressources, ou plus tu peux croiser le danger et autre la gestion des liquides. Ah oui, la gestion des liquides, j'avais vu ça dans les vidéos de Xebus, où effectivement tu peux gérer le. Oh merde, mais si. Ouais, c'est comme ça. Tu peux gérer le. Tu peux vider, vider des lacs ou te faire inonder. Et tu fais pas gaffe. Ah, il me faut aussi un toit au-dessus de mon feu. C'est quoi, c'est les carcasses que je mets là? Décubé, c'est quoi? Alors, tac. Là, vous allez me dépêcher de les déplacer avant que ça pourrisse, les gens. Hop. Dragon Quest Builder. Pouf, jamais entendu parler de ça. C'est l'automne, donc du coup, il y a les couleurs de la végétation va être amenée à changer. Attends, j'ai 3 points d'idée. 3 points d'idée, j'avais dit que j'allais chercher le poste commercial. Hop.
histoire de pouvoir vendre des choses. Tac. Ça, c'est genre urgentissime. Ah, Marion bosse sa couture. Quand elle termine, ça fait combien? 6. Ah ouais, 670. Et par rapport à beaucoup d'autres tâches, c'est pas la même en effet. Allez, vite, 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 vite. Zut, ce sera trop tard. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Bien, toi, t'es content comment? Wow, plus 40, 30, payé 36, c'est bien ça. Qu'est-ce que tu veux? Alors, tu fais pas d'agriculture, c'est pas très très grave. Par contre, tu fais du transport. Alors là, je t'aime. Toi, je t'embauche. Hop. Il faut juste que je te prévoie un lit. Mais tu vas même avoir la chance d'avoir un lit perso. Craft the world, non. Pas jouer à ça. Fais-moi du transport, j'ai plein de trucs à transporter. Ouais, donc le principe, hein, c'est... Donc celle que je viens d'embaucher, hein, tant qu'elle est contente, tant que la satisfaction est suffisamment élevée, et que je la paye, et ben, elle bosse pour moi. Et donc si j'arrive à maxer la satisfaction, et ben elle pourra rejoindre le clan, soit par mariage. Ouais. Elle pourra rejoindre le clan par mariage. Et une transporte, tout ce qu'il faut transporter. Débloquer hautes herbes. Très bien. Dans Craft the World, j'ai entendu le nom un jour, mais je sais plus bien. Ouh, il est un peu long ce live. Enfin, si, le live un peu aussi. Ouais, peut-être m'arrêter bientôt. La vidéo pour YouTube sera un peu longue. Hop, on fait là. Coller, déployer. D'accord, elle remet en place. Et sur le côté, comme oxygène appelé, la DA très réussie, le gameplay sympathique, mais le jeu entaché par beaucoup de petits défauts de droite et de gauche. Réduit un peu la qualité du jeu. Ouais, non, mais de toute façon, je vais m'arrêter à même temps. Ah, étagère à peau, c'est fait. Tac. Donc, étagère à peau. Je vais mettre par là. Il faudra une autre corbeille à linge. Hop. J'ai un point d'idée, donc là, alors il est sympa parce qu'il m'indique que ça ne pousse pas à l'automne. Par contre, les champignons vont pousser. 1h45, oui. Absolument. Bien. Voilà, bah, alors je sais pas, Kenton, toi qui es un inconditionnel de RimWorld, qu'est-ce que ça te dit un jeu comme ça? Qu'est-ce que t'en penses?
c'est différent, hein, t'as vu? C'est vraiment. Mais je trouve que c'est aussi ce qui est plaisant, quoi. C'est que. Ouais, on n'est pas, on n'est pas tout le temps, pas tout le temps à gérer des crises, quoi. Mine de rien, ça fait du bien de temps en temps aussi. Attends, je vais t'agrandir un peu. Les tout à fait. Bah oui, c'est, bah, on peut comparer le concept général, quoi, mais taux de croissance, si ça continue à croître. C'est clair que c'est plus cool. Ouais, c'est celle du jeu. La musique, c'est celle du jeu. Elle est très très cool. Peinard, peinard. Gestion, optimisation, alors crime ou tu as une composante défense de base et expansion. Tout à fait. Sûr. Ouais, il y a un petit côté tiens, je vais mettre alors ensuite en fait il y a un système au niveau de la gestion de l'industrie, en fait, où tu vas gérer les priorités et alors c'est pas aussi poussé qu'un Factorio ou autre, mais où tu vas avoir des chaînes de production qui auront aussi leur importance, quoi. Deux points d'idée, la suite ce sera pour la tourbe, une tourbe sèche. Ah oui, d'accord, ça permet ensuite de chauffer en hiver, ce qui est pratique. Stockage de tourbe, briques humides, il m'en faut plus. Ok. Fumoir à viande, c'est hyper important aussi. Y a plein de trucs qui sont hyper importants. Il faut que je récolte plus de tourbe. Moi, je comprends que les gens disent que c'est trop similaire à MMORPG parce qu'au premier coup d'œil, quand tu... Ouais, non, 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 mais c'est... L'appréciation est parfaitement légitime. C'est une évidence. Ah, il y a un sale prix de rat. Ah, je l'ai eu. Il est mort. Il était pris dans le piège. Et un deuxième rat. Je suis diabolique. Par contre, c'est malodorant. Non, mais c'est clair. Hein. D'ailleurs, ta réaction, Kyriax, est parfaitement légitime. Hein. C'est clair que on voit le jeu, on se dit, tiens, c'est RimWorld. Alors bon, les bons hommes sont des vrais bons hommes, en comparaison. Donc du coup, ça fait une petite différence. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, ça se ressemble énormément. Tiens, je vais juste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre les commerçants. Et dès que les commerçants seront là, je montrerai ce que ça donne et puis j'arrêterai ensuite. Tac, non, c'est attribut, zone de lavage, zone de boisson, tac. Euh...
deux points de... Donc je vais aller chercher le point de la tourbe ensuite. Ce sera le prochain objectif. Et oui, pas tous, heureusement. T'as bien raison. Et plein de philosophie. Ah là, il commence à s'habiller, tiens. Il commence à s'habiller. Jusque-là, c'est vrai que j'avais pas indiqué, mais voilà, j'avais plein de vêtements qui traînaient. Et là, les vêtements, ils ont disparu, donc ça veut dire qu'ils ont commencé à les enfiler. Inventaire 2 sur 2. Ah ouais, attends, c'est naze ça. Demandeur d'emploi qui arrive. Est-ce qu'il compte? Il compte pas ceux qui sont portés. D'accord, donc en fait, il faut que je lui dise dans mon fer de 7 de chaque, quoi. Hop, les 7 bons hommes. Hop. Tac. Tac. Ouais, et puis bon, par exemple, par rapport à RimWorld, hop. Alors, demandeur d'emploi, par rapport à RimWorld, comment? Ils n'ont pas attendu 3 DLC pour faire en sorte qu'on puisse de gérer les âges. Voilà, là, on a un personnage qui est jeune, qui va bientôt passer à l'âge adulte. Lui, il est jeune, mais il passera pas tout de suite à l'âge adulte. Le bébé, bah, c'est pareil. Bah, hop, tes persos, ils vont finir par mourir. Et voilà, c'est un truc aussi un peu en plus. Alors, qu'est-ce que tu dis, toi? Qu'est-ce que tu veux? Tu fais de la couture? Bah, ça tombe bien, j'ai besoin de couture. Les couturiers. Hop, 46 par jour. Et c'est dommage, je ne vois pas de commerçants qui ont l'air d'arriver. Ça aurait été chouette de voir un commerçant. Présentoir à fleurs. Tac, tac, tac. Ça permet quoi? Un endroit où accrocher les fleurs. Certainement plus joli. Kenton, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, quand tu choisis un nouveau jeu, t'as pas la possibilité de l'essayer. Bah si, alors donc typiquement, je le répète. À part si tu as vu un let's play, oui, tu vas décider sur les premiers éléments. Donc, typiquement, Clanfolk a une démo. Moi, j'ai découvert le jeu grâce à la démo, en fait. Ah merde, il est parti, du coup. Tant pis. J'avais pas forcément de quoi payer deux ouvriers trop longtemps. Tu choisis, mais ça ne me permet pas de porter de critique immédiate. Certains choix peuvent être mauvais, ça m'est arrivé, ça peut se reproduire. Bah, ouais. Ça avoine quand elle se met à faire des vêtements, ça rigole pas. Hein. Bon, c'est dommage, j'ai pas de commerçant. Bon, je vais m'arrêter, je commence à fatiguer pour de vrai. Okay.
Merci. Allez, en parlant de mauvais choix, quelle était votre plus grosse déception après achat, tout type de jeu confondu? Ouh. Ouh. Ah. Ouh. Ça, c'est une difficile question. Il faudrait que j'aille jeter un œil à ma bibliothèque. Alors si, je saurais peut-être répondre, je dirais sans doute Heroes of Might and Magic 6. Sans doute. Parce que j'avais adoré le 5. Et le 6 avait été. C'est l'une des fois où je me suis dit plus jamais de précommande. Bon, je l'ai quand même refait des précommandes après, mais il m'a fallu longtemps pour que je refasse des précommandes. J'ai vraiment été dégoûté par. Puis c'est ce qui m'a fait détester Ubisoft. J'ai vraiment eu le sentiment qu'il laissait tomber la licence. Ouais, ils ont sorti un Heroes 7, mais bon, qui était encore un cran en dessous. Bien, sur ces paroles sages, à n'en point douter. Bah oui, ça, il faut bien que ce soit pas sous la flotte, il faut le garder au sec. Bah oui, c'est logique. C'est logique, couillon. Tac. Hop. Tombe sèche aussi. Ah, je pensais Flight Simulator. Allez, je vais sauvegarder et je vais dire au revoir à tout le monde. Salut YouTube pour cette grosse vidéo. Merci beaucoup à Canton d'avoir suivi tout le long ce live et d'avoir discuté avec moi pendant tout le long. C'est toujours aussi agréable. Et merci à Kyriax de l'avoir rejoint en cours et d'avoir bien discuté avec nous également. Je me ferai peut-être d'autres sessions, je ne sais pas si je continuerai en solo cette partie, peut-être je me referai une autre partie solo, et puis celle-ci je la continuerai en live d'autres fois. Voilà, je vous fais bien des bisous, et puis bah, je vous dis... à très bientôt, on dit au revoir YouTube.